Bonsoir à tous, hein. Bienvenue sur notre plateau hebdomadaire comme d'habitude et nous avons un super plateau, hein. D'ailleurs depuis tout à l'heure on rigole déjà, on discute de tout comme d'habitude, on va vous faire les présentations de nos invités tout à l'heure mais pour commencer on va vous présenter notre proms de la semaine. Nous avons choisi, comme on dit, chose promise, chose due, de vous parler de Myriam André. Donc Myriam André, comme vous le savez, avait été sélectionnée pour participer au concours international des femmes noires influentes dans le monde. Donc elle était en compétition avec des femmes noires de plusieurs pays, hein, que ce soit des américaines, des canadiennes. Et c'est elle, en tant que guadeloupéenne, qui a été pour représenter la France. Hein, donc. Et cette élection s'est passée au Bénin. Et pendant qu'elle était... au Bénin, donc, elle a présenté sa marque, donc sa marque Miska, que vous connaissez déjà, Miska Cosmétique. Nous avons quelques photos que vous allez voir défiler. Et c'est vraiment une marque jeune, fraîche. Comme vous le savez, ce sont des produits qui sont faits main. Ce sont des produits qui sont faits à la main et qu'elle fait à l'ancienne, chez elle, avec le moteur. Donc, vous allez voir les photos... qui vont arriver. Donc là, c'est différents salons qu'elle a fait avec des jeunes, hein, puisqu'il faut savoir quand même qu'elle a, je crois, moins de 25 ans, entre 25 et 30 ans. Donc c'est des nouveaux packaging. L'ambiance est agréable. Elle fait vraiment des événements qui sont très sympathiques. Elle va dans plusieurs pays. Donc elle a été, bon, là c'est aussi en Afrique, mais c'est plus au Bénin. Ça, c'est un événement, comme vous voyez, le conditionnement, parce qu'elle fait des baumes. Tout ce qui est anti-chute, tout ce qui est soins. Et ce sont des produits, surtout très très importants, faits avec nos fruits à nous, donc en Guadeloupe. Et cette jeune femme a un diplôme de chimie, donc elle est chimiste, et elle a décidé d'utiliser sa science qu'elle a appris à l'école dans la cosmétique, capillaire. Donc elle fait des soins pour les cheveux naturels. Elle a aussi des produits pour soigner les cheveux défrisés. Les gens qui se défrisent les cheveux peuvent trouver des produits pour se soigner le cuir chevelu chez elle. Et elle a des soins forcément pour des gens qui ont des locks, sachant qu'elle-même porte des locks. Elle a aussi été primée, on va dire, entre guillemets, chez L'Oréal, parce qu'elle a eu la qualification de coloriste, donc chez L'Oréal, donc pour le type de cheveux européen. Elle peut faire toutes sortes de couleurs, elle est vraiment variée et elle fait vraiment, elle touche à tout, toutes les textures au niveau des cheveux. Donc ça, c'était aux États-Unis quand elle a été faire sa tournée aux États-Unis. Il y a une grande photographe française qui était nommée aussi aux États-Unis dans la catégorie photographie, qui lui a demandé de faire quelques photos. Et là, c'est pour le mois de l'Afrique, donc c'est pour la sélection où elle est partie au Bénin. Et vous allez vous voyez, hein, donc chaque femme a reçu son petit trophée et elle est arrivée troisième. Donc félicitations à Myriam André. Donc voici son trophée. Et donc, elle est dans les trois plus grandes femmes influentes de la planète. Et c'est une Guadeloupéenne. Donc, comme je le dis souvent, allez partout et raflez tout. En plus, ça rime, c'est sublime, c'est sensationnel. Et comme ça, on montre qu'on sait faire beaucoup de choses, que notre jeunesse a de l'espoir et qu'on peut vraiment crier. N'ayez pas peur si vous avez des idées. N'ayez pas peur de vous lancer, de lancer des produits, de lancer des nouvelles gammes, de prendre des risques et de faire des choses. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez soit nous envoyer vos interrogations, soit nous appeler aussi, hein, lorsqu'on a notre chronique juridique par exemple. Donc vous pouvez nous appeler et nous on peut essayer de voir comment on peut vous aider à monter vos sociétés, à monter vos entreprises, à vous diriger vers les bonnes personnes. Vous savez qu'on travaille aussi avec la Chambre des métiers et la CCI pour faire des points assez réguliers pour savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de nos entreprises guadeloupéennes. Donc, comme invité aujourd'hui, nous avons un super plateau. Hein. Vous connaissez déjà Cindy Lefort qui est déjà venue avec nous en émission et qui est venue aujourd'hui pour nous présenter de nouveaux artisans avec qui elle travaille et avec qui elle a mis de nouvelles animations en place dans son magasin à côté de nous, en plus situé à Jarry. Bonsoir Cindy Lefort. Bonsoir Sabine. Alors, merci de revenir nous voir aujourd'hui pour votre chronique avec vos nouveaux produits. Alors, parlez-nous un petit peu de toutes ces nouveautés. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter? Dites-nous, expliquez-nous tout ça.
Alors, les nouveautés, ben, Nature Nurse, donc tout le monde connaît déjà ben, les produits cosmétiques à visée thérapeutique. Et là, on a créé des produits bien-être, donc mère-enfant, à travers une autre gamme, une autre marque. Mm-hmm. Donc, on a, par exemple, ben, les dombrées de douche. Oui, ça, alors ça, vous l'avez vu l'autre jour, j'en ai reçu en cadeau. Donc oui, pour voilà. Le carnaval, en plus, c'est génial. Alors, qu'est-ce que c'est que les dombrées de douche? Alors, on a toujours tendance à manger les dombrées. Ben, nous, on a décidé de se laver avec. C'est génial. Donc, moi, en plus, ça sent super bon. Voilà. Donc, ce sont des petites boules qu'on va faire fondre dans la main sous la douche mm-hmm. et qu'on va passer sur tout le corps, 100% naturel, donc avec de la fécule de manioc dedans, mm-hmm. des poudres d'orange ou de rose, en fonction de ce qu'on choisit comme dombrées, de la cannelle, des petites choses un petit peu locales. Donc, mm-hmm. les prochains dombrées qui vont sortir seront avec des poudres de malaka. Ah, c'est bien ça. Oui, parce qu'on a le malaka à la maison, mais on ne sait pas que c'est très bon pour hydrater la peau et les cheveux aussi. Ça ah, je ne savais pas ça. Et voilà, maintenant, vous savez. Ah ben voilà, donc maintenant, c'est ça. Ben oui, ben moi, je ne savais pas, en tout cas, pour celui-là. Alors ensuite, qu'est-ce que vous voulez nous présenter encore? Ensuite, on a ben, des bougies, hein, mm-hmm. faites avec de la cire de soja. Bon, ça, on ne trouve pas trop en Guadeloupe. Mais il y a de l'huile de coco aussi. On a décidé de faire des petites bougies, de faire des ateliers aussi pour apprendre aux gens à les faire, parce mm-hmm. qu'on aime bien les bougies. Et puis, bon, je trouve que c'est plus intéressant d'apprendre à les faire que d'aller oui. en acheter. C'est vrai que cher. Ce qui est intéressant dans votre magasin, c'est que vous invitez les gens, alors au lieu de les inviter à venir acheter chez vous, vous les invitez à venir voir comment ils peuvent faire les choses voilà. chez eux avec ce qu'ils ont. Donc, s'ils ont des arbres fruitiers ou quoi, voilà. donc vous faites des ateliers pour que les gens puissent découvrir tout ça. Vous allez nous donner tout à l'heure le planning. Et comme d'habitude, on vous mettra les informations sur les réseaux sociaux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes venu avec plein de produits. Alors, ah oui. moi, j'ai eu des cadeaux là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, y a... le gel d'aloe vera citronnelle qui est entre le les mains de Sabine. Aloe vera citronnelle. Alors ça, c'est pour les gens qui ont des locks comme moi ou pour oui, tout type de cheveux. Ce qui d'accord. est bien, c'est que ça va hydrater le cheveu et on va avoir aussi les effets de la citronnelle. Donc, il faut savoir que c'est anti-inflammatoire. D'accord. C'est répulsif aussi au niveau des moustiques. Ah oui, c'est donc, bien, fini les yayas qui volent au-dessus de la tête. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et on a le savon goyave, le savon atumo aussi, parce qu'on a créé de la poudre d'atumo à la boutique. D'accord. À savoir que ben on est en pleine période où les gens sont malades et ont peur d'une certaine pathologie oui. dont on ne parlera pas pour le moment. Oui. Ben le savon atumo, il aide justement à rester en forme, à guérir justement tous ces syndromes grippaux qui arrivent. Voilà. D'accord, intéressant ça. Après ben on a ben qu'est-ce que j'ai ah oui. Ça, c'est pas mal. Alors, les dombrées de douche menthe glaciale. Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion de le tester. On a une fraîcheur intense, même glacée, pendant à peu près 6 heures. Je vous conseille d'éviter de le passer sur la zone intermédiaire entre les jambes parce d'accord. que c'est vraiment très froid. D'accord. Et au moindre coup de vent, ben voilà. On le sent la douleur. Oui. D'accord, d'accord. Bon, ben, en plus, en ce moment, il fait chaud. Là, on arrive voilà. au carême, donc ça, c'est hyper rafraîchissant, du coup, ce truc. Oui, c'est super bien. Et ça sent super bon. Bon, ben, très bien, très bien. Donc, on va tester tout ça. On aura le temps de regarder tout ça. Alors, présentez-nous. Vous êtes venus. Donc, ce sont des artisans qui travaillent avec vous et qui font des ateliers avec vous. À la vous. Boutique. Tout Alors, à fait. Expliquez-nous tout ça. Donc, on va commencer par Madame Daria Dumas. Bonsoir. Bonsoir. Donc, qui intervient à la boutique ben, prochainement pour un atelier snacking végétal. Tout à fait. Voilà. Et un autre atelier déshydrateur solaire. Donc, Daria est de l'Oasis Fleur de Vie. C'est un écolieu, c'est bien ça. Tout à fait. Bah, alors, j'allais poser la question. Alors, allez-y, présentez-vous de manière à ce que les gens puissent savoir qui vous êtes et comprendre ce que vous faites. Donc je suis, bonsoir, je suis Daria, je représente l'Oasis Fleur de Vie. Donc c'est une association qui a été créée en février 2018, qui souhaite remettre la sensibilisation à la biodiversité guadeloupéenne, la faune et la flore locale en avant. D'accord. Donc nous souhaitons par des activités ludiques et festives, revenir à tout ce qui est un peu essentiel, manuel. Par exemple, les activités comme le bricolage, aussi, également ça, le tech. C'est un petit banc que vous avez fait ? Tout D'accord. à fait. Ça, c'est un petit banc que j'avais fait avant la période de Noël, que d'ailleurs j'ai fait en... Mettez-le devant vous pour qu'on le voit bien, s'il vous plaît. J'ai fait en atelier. Avec les enfants et tout ? Avec des enfants. Donc, ce sont des activités...
bricolage, jardinage, couture, qui sont accessibles à partir de 5 ans. C'est génial. Et donc après, il n'y a pas de limite d'âge, donc ça dépend vraiment des capacités des gens. Souvent, c'est des activités plutôt pour les enfants, puisque c'est vraiment eux qui cherchent à être... qu'ils ont besoin de plus de stimulation. Oui. Mais après, les adultes, évidemment, on fait des ateliers adultes. Et donc, moi, en étant végétarienne, j'ai eu des problématiques au niveau alimentaire. Donc, je me suis intéressée aux plantes et je ne trouvais jamais ce que je souhaitais dans les magasins, mm-hmm. notamment au niveau calibre. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à faire moi-même. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas partager toutes ces connaissances. Voilà. Ah, ça, franchement, c'est génial. Félicitations pour ce que vous faites. C'est vraiment bien. Le bois, est-ce que c'est du bois que vous récupérez ou c'est du bois que vous achetez spécialement pour faire ça ? Alors, autant que possible, c'est du bois de récupération. La récupération. Voilà. D'accord. Moi, c'est vrai que je travaille surtout avec le bois, mais ça arrive parfois que j'achète des morceaux oui. parce que j'arrive s'il pas... S'il manque des pièces ou des choses comme ça. D'accord. Et du coup, comment ça se passe pour les ateliers ? Donc, ce sont des ateliers qui se passent à la boutique Nature Nurse FWI, donc au jardin de Wellbourg. Mm-hmm. La date du prochain atelier, c'est dans 2 semaines, le 11 mars. C'est oui, ça, c'est oui, ça. Le 11 mars. Après-midi. Bon, bah, j'espère que vous avez noté ça sur vos agendas. Donc, je pense qu'il faut prendre un papier, un stylo là pour aujourd'hui et noter les différentes dates parce que je sens que les ateliers, ça va aller assez vite. En plus, c'est pour les enfants. Enfin, les enfants peuvent le faire, mais les adultes aussi. Hein. Mais ça peut être assez intéressant. Donc, déjà, pour le 11 mars, donc il y a bricolage, couture. Bricolage, couture, jardinage. Jardinage. Donc, à noter et à ne pas oublier, on vous rappellera ça tout à l'heure en fin d'émission. Ensuite, vous êtes venue avec une autre intervenante. Oui, alors Camille Fisseli de l'école, enfin de Saint-Nîmes, donc qui fait les massages thaïlandais mm-hmm. aussi à la boutique. Donc, j'ai eu l'occasion d'en profiter, j'étais bloquée du dos. Merci Camille. Bon, alors, comme moi, j'ai pas eu l'occasion d'en profiter, il va falloir nous expliquer, vous présenter, nous expliquer tout ça, que je comprenne et que je sois détendue juste par le, par, juste par, en entendant tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Donc, effectivement, j'ai voulu amener avec moi un bout de tradition qui arrive de l'autre bout du monde, mm-hmm. une tradition ancestrale. Voilà, ces massages-là sont pratiqués depuis plus de 2500 oui. ans. Mmh. Pour soigner. Aujourd'hui, en Asie, vous pouvez aller à l'hôpital et choisir soit la médecine traditionnelle, soit la médecine ça, moderne. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Donc, l'idée, c'était de pouvoir apprendre tout ça, plusieurs mois en Asie, à travailler avec eux, à apprendre. Et puis après, j'ai posé mon sac ici en octobre, l'année dernière. Donc, c'est très récent. Une belle rencontre. Mmh. Et okay. puis, l'idée est assez simple. En fin de compte, c'est que notre corps parle pour nous. Clairement. Le mal a dit. Exactement. Et donc à partir de là, chaque personne, je pense que si on fait un tour de table, a une douleur, un blocage. Surtout moi. Qui va être soit émotionnel, soit physique par notre activité professionnelle finalement. Et je souffre. Oui. Elle veut un massage, je crois. Et donc, bah, l'idée c'est quoi ? C'est simplement par dépression, par des étirements qui viennent de traditions yogistiques, sur un massage qui va durer 2 heures, qui peut être comprimé sur 1 heure. Je dors déjà. Voilà. Mais c'est de faire lâcher prise, et c'est là où c'est plus dur, par oui. la respiration, de façon à pouvoir avoir un moment aussi de calme. Ça c'est 50% du chemin, parce que les personnes, ça leur fait du bien d'avoir une bulle de protection pendant 2 heures. Et puis ensuite, par le travail qui est fait sur les lignes d'énergie du corps, et puis, on va dire physiquement, finalement, c'est muscles, tendons, ligaments, mm-hmm. on va pouvoir débloquer, faire en sorte que l'énergie du corps recircule bien et que le muscle s'ouvre de nouveau, de façon à ce qu'on puisse retrouver mais une liberté de mouvement. Parce que souvent, on va être soit bloqué comme ça, soit mm-hmm. un peu comme ça, parce que notre corps se ferme. Et donc, pouvoir dire, ce matin, je vais travailler et je me sens bien. D'accord. Donc ça, c'est l'objectif premier du massage thaïlandais. Il y a 51 traitements différents qui existent. Ça va mm-hmm. de la migraine récurrente à l'entorse de cheville. Mm-hmm. Donc on peut être dans un soin précis. Et puis après, il y a toute la partie détente. Voilà. Du massage aux huiles chaudes, la réflexologie plantaire. Voilà. Donc, d'accord. Il y en a un peu pour tout le monde. Et faudrait... Pour être bien dans sa vie, il faudrait faire ça tous les jours. Quelle est la récurrence ? Oui, tous les jours, oui. Ah, ce serait magnifique. Alors, y a pas Mais de quelle vraie est la réponse. Récurrence pour qu'on soit bien ? Il n'y a pas de vraie réponse parce que déjà, chaque corps va réagir différemment au massage. D'accord. Donc, il y a des personnes qui vont avoir une tolérance à recevoir ce massage-là, beaucoup plus importante. Mm-hmm. Mais en moyenne, vous pouvez le recevoir une fois par semaine.
votre corps pourra absorber ce qui va venir. Maintenant, il y a des personnes où ils vont recevoir un soin et puis ils vont passer 2, 3, 4 mois d'accord. en étant bien parce que j'essaie de donner moi, quelques conseils sur les postures aussi, mm-hmm. sur des étirements. Voilà, essayez d'emmener aussi à prenez soin de vous 2, 3 minutes par jour, c'est pas grand chose. Mais si vous sentez que ça commence à. Les douleurs arrivent, eh bien, faites en sorte de les évacuer vous-même et mm-hmm. n'attendez pas qu'elles s'accumulent parce qu'après c'est trop tard. Donc, voilà, une fois par semaine, c'est possible. Une fois par mois, en tout cas, quand vous en avez le besoin, tout simplement. Et les ateliers, ça se passe comment? Du coup, vous faites quoi? Alors, on n'est pas sur un système d'ateliers à proprement d'accord. parler. En tout cas, aujourd'hui, l'idée, c'est que si vous avez besoin de mes services ou d'une vous intervention... Vous pouvez aller à la boutique. C'est voilà. vrai qu'il y a un petit espace détente. Oui, contactez la boutique. Et puis, moi, je me déplace et pour le moment, pour l'heure du rendez-vous. Et on passe tout un instant ensemble. Et puis par la suite, on est en train de, voilà, de mettre des choses en place pour sensibiliser et puis amener un peu plus de savoir-faire d'un seul coup sur une ou deux journées, d'organiser, voilà, des, je pense là sur le début mai, un stage, une journée ou deux, en fonction des besoins et de la demande, pour avoir un professeur de yoga que je vais faire venir des États-Unis. Oh là là. Voilà, qui va pouvoir nous amener... quelques connaissances à pratiquer soi-même sur la respiration, un peu de méditation, le recentrage en fait mm-hmm. finalement, les étirements, quels sont les bienfaits de ces étirements-là, des massages pendant la journée, des ateliers qui seront bien évidemment proposés par Nature Nurse, et puis voilà, une belle journée complète ou un week-end complet pour prendre soin de soi et avoir les armes pour s'assumer au quotidien. Voilà. Bon bah, excellent, en tout cas c'est très bien, moi je vais aller tester ça parce que non, il faut que je vois ce que ça donne et si j'arrive à rentrer dans une bulle je vous dirai tout ça bien sûr, bien sûr. Vous allez dire on va prendre les rendez-vous et me dire combien ça se passe, combien de temps ça prend tout ça et on va faire un petit truc dessus. Alors ensuite vous êtes venue avec une dernière intervenante que vous allez nous présenter aujourd'hui. Oui. Alors Brigitte Baron donc, qui est art thérapeute. Donc je laisse se présenter. Donc bonjour. Bonjour. Donc l'art thérapie en fait avec les mandalas. D'accord. Donc, c'est vrai que quand je propose des ateliers, donc les personnes vont pouvoir dessiner leur propre mandala. Mm-hmm. Donc en fait le mandala, je dirais, se trace toujours dans un cercle. Mm-hmm. Et après à l'intérieur du cercle, bah, chacun va y mettre en fonction de ses envies. Donc il y a des pochoirs. Relève un petit peu, ouais, pour que les gens puissent bien voir ça. Il y a des pochoirs, il y a plein de choses pour pouvoir faire son propre mandala, en fait. D'accord. Alors, les mandalas, quand j'étais petite, c'était ce qu'on faisait au culte Voilà, tout à fait, avec un compas. Avec un compas. Une rosace, c'est un mandala, en fait. D'accord. Alors, c'est quoi l'histoire du mandala, finalement? C'est juste pour se détendre, on fait des cercles et on colorie les cercles et... Ça va plus on peut justement, en coloriant un mandala, se mettre à pleurer, quelquefois on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est une émotion qui peut se libérer par le fait de dessiner un mandala, justement. Par rapport aux couleurs qu'on met aussi, parce que les couleurs ont aussi leur importance, c'est une influence. Mm-hmm. Les couleurs sont reliées aux organes, sont reliées aux chakras aussi. Donc mm-hmm. et après, il y a une cause aussi au niveau, justement, on parlait tout de suite de douleur, que le corps qui exprime quelque chose. Donc quelquefois, c'est pareil, quand on va mettre le jaune, par exemple, le jaune va représenter le plexus solaire. Mm-hmm. Et donc c'est souvent les nœuds qui sont là au plexus solaire, donc c'est aussi la relation à l'homme. Et le fait de mettre du jaune, justement, ça peut permettre quelquefois d'avoir une meilleure relation avec le père ou avec les hommes en général, parce qu'on aura mis en mouvement, justement, cette énergie-là. Donc, si j'ai des problèmes d'hommes, en fait, si je fais un truc que en jaune, ça veut dire que mon cas est critique, c'est ça, un petit peu, en gros, c'est ça la traduction? Non, c'est pour ça que souvent, je propose de choisir 3 couleurs. D'accord. Donc voilà, il y a pas. Bon, ça va, le jaune, c'est pas ma couleur préférée, je suis rassurée. Mais quelquefois, on peut tomber dessus aussi, oui. justement, quand on fait le petit test que je propose avant les ateliers, justement. Ah, c'est quoi les tests? Alors, ce sont 14 carrés de couleurs, donc où je les mets à l'envers, vous ne les voyez pas. Et je vous fais. Il faut les choisir. Voilà, en choisir 3. Sans voir les couleurs. Voilà, sachant que le corps va aller chercher ce qu'il a besoin de travailler au niveau de la vibration de l'énergie. Donc avec les yeux fermés, en gros, on arrive à choisir les couleurs qu'il nous faut. Voilà, et donc après, je vous explique à quoi ça correspond. Là, il faut que je le voie pour le croire. Voilà. Là, il faut que je le voie pour le croire. C'est pas que je suis sceptique, mais il faut que... Ouais, parce que là, j'arrive pas à imaginer, j'arrive pas à me projeter de comment on peut... Ça veut dire que si on fait plusieurs fois le test... Est-ce qu'on peut retomber plusieurs fois sur les mêmes couleurs? Ça peut arriver quelques fois. Donc ça veut dire que c'est pas encore nettoyé. Mais enfin, c'est ça. C'est ce que je sais. Là, c'est hallucinant. Là, je suis. franchement, moi, si ça m'arrive là, je suis bluffée. Et du coup, quand on tombe sur les couleurs, comment ça se passe? Vous donnez aux gens un mandala ou c'est eux qui doivent le dessiner? Non, c'est eux. Ils vont le dessiner eux-mêmes.
Donc ça, donc c'est pas que du coloriage, là, c'est vraiment dessiner son mandala sur une planche ou sur une toile. Et après, ben voilà, avec les pochoirs, vous allez pouvoir le dessiner vous-même. Et ça, c'est apaisant, je crois. C'est comme les trucs indiens. Oui, voilà, tout à fait, oui. Dans toutes les traditions, il y a des mandalas, de toute façon, oui, que ce soit au Tibet, en Inde, après en Amérique du Sud, c'est pareil, hein, les Amérindiens ont aussi leur mandala. Oui, c'est oui. Difficile. D'ailleurs, ce qu'ils font là pour attraper les rêves, je attrape rêves aussi. Ben, c'est un rêve, quelque part, c'est un mandala aussi. Alors, ça, c'est fait avec quoi comme peinture? Comment? Alors, avec de l'acrylique. Et après, moi, je mets aussi, j'adore les paillettes, donc sur tous mes tableaux, il y a des paillettes. Depuis que je peins, ça... D'accord. Et comment ça se passe au niveau des ateliers par rapport à ça? Alors après, moi, je fournis tout dans les ateliers, donc le support, après, bon, les paillettes, l'école, enfin, tout ce qu'il faut pour voilà, les petits tubes de peinture, pour faire les petits points. Enfin, il y a vraiment tout est fourni dans les ateliers, en fait. Donc les gens repartent avec leurs petits tableaux mandala, accrochés dans leur chambre pour dormir. Voilà, ouais. C'est sympa. Et ça, à partir de quel âge, ça? À partir de 5 ans. En tout cas, ça, c'est pas mal, c'est joli, je trouve. Oui. Je trouve que c'est joli comme animation. Et voilà. C'est quand? C'est quelle date pour ces ateliers? Alors, donc, à la boutique Nature Runners, justement, le samedi 14 mars. D'accord. Donc, le matin. Donc, sortez vos stylos. Tout à l'heure, maintenant, c'est le 14 mars. Donc, voilà. Et c'est le matin, c'est à quelle heure? Le matin, de 10h30 à 13h30. Oui. D'accord, intéressant de savoir ça, c'est très bien, on a un beau plateau quand même ce soir et on va pouvoir parler un petit peu de justement le thème d'aujourd'hui, c'est le développement des soins locaux. Donc ça c'est bien parce que, et même ce que vous faites, ça peut pas être plus local parce que vous êtes là physiquement avec les gens, donc contrairement, parce que, alors il faut savoir que la France, mais ça je suppose que vous savez déjà, hein, parce que vous êtes un petit peu dans le médical ou dans les soins, la France fait partie des pays où les gens consomment le plus d'antidépresseurs. Enfin, c'est pas fait partie, hein, c'est et le premier pays en Europe qui consomme le plus d'antidépresseurs. Donc, moi justement, ce que vous faites, je trouve que c'est bien. Pour développer le soin local, alors déjà ça donne du travail aux gens qui sont sur place, parce que les antidépresseurs, on ne sait pas trop où ils sont fabriqués, et surtout on ne sait pas ce qu'il y a dedans, parce que il y a beaucoup d'effets secondaires, il y a beaucoup de crises qui viennent derrière, il y a beaucoup de choses. Après, ça entraîne des maladies qui doivent proposer, enfin voilà, c'est quelque chose, un espèce de cercle vicieux là pour le coup, alors que vous, ce que vous proposez, c'est le contraire, c'est plutôt des cercles vertueux qui font que les gens se sentent bien naturellement en étant au plus proche de chez eux, même si là c'est pour venir sur Jarry, mais c'est quelque chose qui reste au niveau local. Quand je vois par exemple les soins qui sont faits avec nos produits qu'on a ici, ça c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison tout simplement. Donc je suppose que c'est quelque chose qui détend aussi, hein. Moi je me souviens quand on était énervé à l'école, des fois les profs ils nous faisaient faire ça, sortez vos compas. Exactement, ils nous faisaient faire ça. Et même les jeux de société qu'on achète pour les enfants où il y a le petit stylo dedans et on fait des mandalas, et c'est un peu comme les Scooby-Doo, quoi. Ça fait passer le temps. Alors peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas, mais c'est bien dommage parce que ça fait passer le temps, ça donne de la réflexion, ça permet, comme disait la dame tout à l'heure, d'avoir des activités, parce que les enfants c'est important pour le cerveau, tout à fait, qu'ils soient tout le temps en activité. Donc au lieu qu'ils regardent la télé toute la journée, au lieu qu'ils regardent la télé toute la journée, ça peut être intéressant de faire un petit tableau de mandala, un peu comme à l'époque on faisait du coloriage, hein, mais sauf que c'est eux-mêmes qui dessinent leur motif qu'ils vont après colorier. En plus, je vois, c'est de l'acrylique. Il y a plusieurs couleurs. On peut mettre des paillettes. C'est assez intéressant. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous? Parce que moi, j'estime que... Je ne vais pas dire que ça fait partie du soin, ça. Mais j'estime que ça fait partie du bien-être général. Quand on était petit, quand les enfants étaient énervés et qu'ils jouaient trop, par exemple, qu'ils criaient partout dans la maison, les parents nous envoyaient dans la chambre, on faisait du coloriage. Et tout de suite, ça aide à se recentrer. Enfin, les enfants sont moins dispersés, ils arrivent à se concentrer légèrement. Enfin, ils ont des activités autres que toujours des écrans. Donc vous, quel est votre avis sur le développement des soins, du soin local, et qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Je vais commencer. Allez-y. Oui, donc moi justement, c'est un peu sur ce sur quoi je me concentre. Donc c'est surtout les jeunes. Donc à partir de 5 ans, parce que plus jeune, c'est au niveau de l'attention, c'est assez compliqué. C'est compliqué. Et jusqu'à les ados, jeunes adultes.
Donc c'est vrai qu'au niveau financier, les jeunes adultes ne vont pas forcément pouvoir venir à mes ateliers parce que c'est une association qui doit bien vivre. Mais là, on essaye aussi de développer des activités pour le public qui n'a pas trop les moyens. Mais sinon, oui, au niveau, voilà. Oui. Mais sinon, au niveau des enfants, on fait passer des activités comme même des mathématiques ou la concentration, la géométrie. Mais là, je suppose qu'il faut faire de la géométrie. Tout à fait. C'est ça. Et c'est amusant, c'est à taille enfant, donc ils sont très intéressés, c'est facile, c'est rapide. Et au final, ils sont très fiers d'avoir travaillé avec le rapporteur, l'équerre, tout ça. Exactement. Et en plus, c'est important pour le développement, puisque peut-être que demain, ils auront envie de toucher du bois, de faire menuiser, architecte, je ne sais pas moi. C'est exactement ça. Ils ont réussi à faire un pont. Donc moi, je pense que c'est quand même important de développer. Et quand vous faites le jardinage, ça se passe comment? C'était la question aussi. Comment ça se passe? Parce que ça, c'est. J'imagine que les enfants, en plus, ils peuvent planter leurs propres médicaments, par exemple. Est-ce que vous abordez ce genre de choses avec eux? Oui, alors justement, on essaye d'être sur tous les aspects. Donc, on voit la partie vase, enfin, donc le pot, comme quoi on peut fabriquer soi-même son pot, que ce soit en terre, alors c'est pas moi qui le fais, que ce soit en terre ou en bois. Qu'on peut faire de la récupération de pots, par exemple comme les gobelets plastiques ou les gobelets ou les pots en yaourt ou en métal, donc ils peuvent servir de récipient. Ensuite, on essaye d'identifier les différentes plantes, comme quoi ça passe par différents stades, donc d'abord par la graine, ensuite que ça sort, donc il y a d'abord un germe, et ensuite que ça se différencie au niveau des feuilles, au niveau des couleurs, tout ça. Donc ça permet aux enfants de comprendre que le fruit qu'ils ont mangé et qu'il y avait des petites graines à l'intérieur, souvent qui sont embêtantes ou amères, en fait ça peut donner un arbre et potentiellement des fruits. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc on leur apprend aussi que c'est un être vivant, fragile, et donc il faut en prendre soin. Voilà, donc ça leur apprend plus le respect. Et moi, j'avais lu dans une revue que le jardinage, ça apprend le développement de la patience, un truc comme ça. Tout à fait. Puisque ça leur apprend, la plante, elle ne peut pas pousser en deux heures. C'est ça. Donc, ça les incite à vouloir savoir finalement le résultat final. Exactement. Et que c'est assez intéressant pour le développement même de l'enfant, de la personnalité de l'enfant en elle-même, quoi. Tout à fait. Et ils sont beaucoup plus intéressés quand ils ont planté eux-mêmes une jeune pousse pour voir comment ça évolue, que si c'était juste déjà dans le jardin ou juste tout fait. Et là, ils ont vraiment tous les jours, et même des fois plusieurs fois par jour, il y en a qui viennent vérifier si ça n'a pas bougé, si ça va bien et tout. Donc ça, c'est génial parce que, et après, ils sont tellement fiers d'avoir pris soin d'un petit être vivant et qui, à la base, était juste une graine inerte. Et ouais, c'est génial. D'accord, et vous en pensez quoi, vous, sinon? Ben, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut justement éduquer les jeunes à retourner vers ça, en fait. Parce oui, que, c'est important, parce que sinon, ils vont tous finir fous. Voilà, parce que là, ça va être le joker. Ouais, le fait d'être avec la terre, vraiment, ça permet aussi de lâcher le mental, puis d'être ici et maintenant, quoi, de vraiment d'être présent à ce qu'on fait, et ça, c'est super important. Ouais, parce que là, trop de stress, en plus, les écrans, et ils ont beaucoup d'informations qui arrivent rapidement, toute la journée, ça va très vite, les réseaux sociaux, ça tourne tout le temps, à l'école, ça parle de tout, un sujet est à peine arrivé, qu'il y en a déjà un qui balaye l'autre, donc c'est vrai que ça permet peut-être de remettre dans le temps et d'éviter peut-être certaines maladies au final. C'est certain. Parce qu'on veut tout tout de suite, tout le temps. Et je veux juste revenir sur le sujet justement des médicaments et les antidépresseurs. Le débat finalement. On a un souci et on veut le faire taire immédiatement parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Ah oui, il faut avancer. J'ai pas vu ça comme et ça. Et on le fait juste taire. Et là où ça peut rendre service, je suis d'accord avec ça. Mais simplement, ce que je voudrais mettre le doigt là-dessus, c'est qu'on ne peut pas régler en profondeur quelque chose si on n'y met pas un peu de soi et si on ne prend pas le temps de le faire. C'est valable pour faire pousser une plante et ça nous amène beaucoup de fierté et voilà, c'est valable pour pouvoir réaliser une création comme celle-ci et c'est valable pour prendre soin de soi également. Aujourd'hui, un soin, prendre le temps de s'écouter un petit peu, oui, va demander un tout petit peu plus d'investissement, mais quoi de plus important que de prendre soin de soi finalement, parce que personne d'autre le fera à notre place. Oui. Et à partir de là, si on a pris conscience de ça, on a toutes les cartes en main. Alors, je pense que ouais, on a un beau combat. C'est pas un combat, mais tout simplement un beau message à emmener avec nous.
Et tous ceux que ça intéresse ou que ça éveille un tout petit peu, mais venez, il y a plein de gens hyper intéressants à rencontrer. Quoi. Ah, c'est ça. Et surtout, moi, je vois des fois, quand je vois la société, je me dis, mais si on continue comme ça, mais on va avoir des AVC à 35 ans, l'espérance de vie va chuter. À 15 ans. Voilà, à 15 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, bien souvent inutiles, mais il y a beaucoup d'informations qui arrivent et les gens ne prennent du temps pour rien du tout. Et c'est immatériel. Oui. Il faut qu'on revienne un petit peu dans le matériel, puisque au final, c'est très bien les magasins, on peut aller acheter des trucs, c'est pratique. Mais quand il n'y en a pas dans les magasins, qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont même plus du tout capables d'identifier. Bon, encore ici en Guadeloupe, ça va, dans les Antilles, ça va, qui ne sont plus du tout capables d'identifier quel fruit est comestible, dans quel arbre, quelle plante est comestible ou pas, ou lesquels sont des poisons. Et ça, c'est grave. Et on ne connaît que les salades, carottes, qui sont très bien. Mais ça, au bout de quelques années, si ce n'est pas renouvelé, c'est parce que ça, ce sont des graines qui sont travaillées. Mm-hmm. Si ce n'est pas renouvelé, bah, ça disparaît, puisque elles ne sont pas naturelles. Oui. Donc il faut qu'on sache reconnaître des fruits naturels, des plantes naturelles. Pour, voilà. Et c'est pareil pour tout ce qui est les soins, savoir faire ses soins, savoir se cultiver, se divertir, se soigner par les massages. Ouais. Moi, je pense que c'est important. Le fait de développer des soins locaux, ça permettrait aussi de sortir nos jeunes du virtuel et de les ramener dans le monde réel. Oui. Et ça, c'est plus qu'important, surtout que on est de plus en plus face à une jeunesse sociale virtuelle qu'une jeunesse vraiment présente. Qui devient en plus de plus en plus violente. Ah ben oui, bien sûr, parce qu'ils sont dans un jeu toute la journée. Moi qui pensais que j'étais radicale il y a quelques années, je me rends compte que finalement, je suis soft. Hein. Parce que quand je vois les plus jeunes, je me dis que... Et c'est de plus en plus violent. Donc les informations et tout, c'est affolant. Mais j'ai un exemple tout bête. Mon fils joue un jeu que je déteste. Ah, et non, Fortnite. Bon, un truc du genre. Voilà. Et il me disait, ah maman, tu sais quoi, j'ai rêvé que je tuais des gens toute la nuit. Non mais voilà, oui. Voilà. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, donc t'as rêvé que tu jouais quoi? Ouais. Il m'a regardé et dit, non, j'étais pas en train de jouer, je tuais des gens dans le rêve. Je dis oui, à force de jouer, tu finis par le mentaliser même dans ton rêve. Voilà. Et je lui ai dit, tu devrais faire une pause. Oui, là, c'est... Non, mais là, c'est... on jette la manette par la fenêtre. Là. Je l'ai caché. Oui. Non, mais oui, je pense que là, il faut vraiment faire des mandalas. Cosmétiques, ateliers, massages, tout. Il a énormément apprécié le massage de Camille. Ah oui, là, il fallait l'emmener en urgence, je pense aussi. Non, mais oui, parce qu'on rêve de ce qu'on voit la journée. Mmh. Et c'est ça le problème, c'est qu'après, quand les enfants sont petits, à force d'avoir toutes ces informations... Où est la limite pour eux entre le réel et le virtuel? Ils n'arrivent plus à définir la ligne à ne pas franchir. Donc c'est vrai que c'est important de développer toutes ces choses-là et ça leur permet, selon moi, qu'ils puissent prendre du recul et puis qu'ils puissent développer une autre manière de penser, plus prendre soin de soi. Mais de toute façon, comme vous disiez tout à l'heure, quand on fait pousser une plante, on respecte la vie de la plante. Du coup, on n'a pas envie de lui faire du mal. Et ça permet d'ouvrir les yeux sur les autres plantes. Exactement. Non, franchement. Et comment vous pensez qu'on peut développer ça chez nous, finalement? Parce qu'à part, c'est bien ce qu'on dit sur le plateau, mais comment faire pour leur faire lâcher ce téléphone? Et pourquoi pas qu'ils apprennent à faire leur savon, mis à part aller dans vos ateliers? Ça, c'est un bon plan, de toutes les façons. Bah déjà, les intéresser. Moi, à la maison, par exemple, il n'y a plus aucun gel douche ou shampoing qui vient de l'extérieur. Ah oui, ça, c'est donc, bien. Donc maintenant, quand le gel douche est fini, je n'entends plus « Maman, il faut aller acheter du gel douche », mais « Maman, tu n'as pas fait le gel douche ». Donc je dis « Viens avec moi, on va en faire ». Ah, ça, c'est très bien. Voilà. Et de toute façon, alors, c'est pas maintenant, moi je dis, c'est pas vie avec moi, on va en faire, c'est venons avec elle et allons en faire dans son atelier. Parce que, alors, la dernière fois que vous êtes venue, vous avez dit que les gens pouvaient venir avec des fruits. Oui, je fais du troc. Voilà. Donc soins ou ateliers contre fruits ou plantes médicinales. Donc ça, franchement, alors notez bien, parce que vous n'allez pas trouver d'autres magasins où vous pouvez payer en fruits et légumes. Donc c'est, je ne sais pas comment les impôts passent sur ça, mais au moins, on arrive à faire... C'est limité quand même un certain nombre. Voilà, c'est limité un certain nombre. Non, mais surtout, vous pouvez venir aux ateliers avec ce que vous avez chez vous. Oui, donc, ils viennent avec, par exemple, il y a une dame qui m'a ramené de l'atomo que je remercie, elle se reconnaîtra.
Et en contrepartie, ben, je lui ai offert un gel douche à Tumo que j'ai réalisé à partir des plantes qu'elle a ramenées. Donc elle était toute contente, elle a appris comment le faire, son gel douche, et moi, ben, en contrepartie, ben, je me suis retrouvée avec la matière première pour fabriquer ben, la poudre justement d'Atumo, qui me sert pour faire des savons, l'huile, etc. Ah franchement c'est génial. Alors moi j'ai eu ça aussi, donc j'ai ça que je vais tester. Donc c'est un masque hydratant cheveux anti-chute, oui parce qu'il ne faudrait pas que tout ça ça chute, ça serait la catastrophe. Alors c'est à l'aloe vera ou au doliprane. Alors pour les gens qui ne savent pas, ce n'est pas le doliprane qu'on achète en pharmacie comme l'antidépresseur hein, mais c'est le doliprane, la plante qui pousse chez nous, donc c'est une plante verte. Bon, je ne sais pas si les gens pourront la reconnaître, elle a des grandes feuilles en fait. Ça des feuilles un peu ovales, ouais, voilà. Fines, mais ça se reconnaît parce qu'au toucher, ça sent... C'est granuleux, non, Émilie, je crois. Hein. C'est plutôt doux au toucher, assez épais, oui. Un petit peu. Et moi, je trouve que quand on touche, ça sent vraiment l'herbe. La feuille, c'est envahissant, ça court partout. Ouais. Après, on a une application sur téléphone que j'ai découverte grâce à Thierry. Ah, c'est Planète. Donc c'est une application, on fait la photo de la feuille, d'accord, de la plante et l'identifie automatiquement. Ah bah ça c'est intéressant, donc c'est voilà. Une application qui s'appelle Planète. Planète, oui. D'accord, parce que je sais qu'il y a des entiers qui ont fait une application pour les herbes de chez nous. Oui. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est pas Zerbapic. Je ne sais plus comment s'appelle cette application, mais je ferai les recherches et je regarderai ça. Oui, pour qu'on puisse savoir. Pour identifier, pour identifier dans la photo les aussi. Fruits. Alors non, je ne sais pas si ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas aucun qui fait ça. Aussi. Et il y a 100% zèbre, je crois, non ? Voilà, 100% c'est ça. Mais il faut rentrer le nom de la plante pour avoir les propriétés. Voilà, que là, on fait la photo et ça, il reconnaît directement la plante. Il nous donne le nom et on a accès sur Wikipédia ou d'autres sites de recherche aux descriptifs, aux propriétés, aux posologies. Et ça fonctionne avec nos plantes de chez nous ? Oui, ça fonctionne. J'ai testé dans tout mon jardin. Ah, franchement. Eh bien, écoutez, on va nous télécharger le visuel de l'application. Moi, je vais l'essayer, bien sûr, bien évidemment. Et on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, comme d'habitude, hashtag Entreprums. Et que ce soit Facebook, Twitter, on va mettre ça. Comme ça, vous aurez le nom de l'application, vous aurez le visuel. Et vous pourrez voir un petit peu ce que c'est. Alors, un petit mot pour la fin. Alors, aujourd'hui, pas d'offre d'emploi, hein, puisqu'on revient du carnaval. Comme vous savez, c'est la fin du mois d'Afrique, c'est la fin du carnaval et c'est une période qui a été très 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 lourde, donc on n'a pas eu le temps de faire la sélection des offres d'emploi, donc les offres d'emploi vont revenir la semaine prochaine, ne vous en faites pas, vous allez savoir ce qui est disponible comme poste au niveau de la Guadeloupe. Est-ce que vous voulez faire passer un message, peut-être les ateliers? Alors je voulais aussi parler de la luminothérapie. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est que ça? Des lunettes en fait qui fonctionnent avec un MP3 intégré. D'accord. Et il y a différents programmes en fait. Donc ça peut être des programmes pour les gens qui sont stressés, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, pour ceux qui ont besoin de concentration, pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Enfin, il y a plus de 150 programmes. Et en fait, voilà, on met avec le casque et puis on s'allonge dans une chaise et puis ben, on laisse faire. C'est un peu de la sophrologie avec de la lumière. Ça me fait penser au cinquième élément à l'époque de le film. Ils étaient déjà loin dans le temps et ils mettaient les lunettes là, ils étaient déjà dans un autre monde. Et du coup, ça sert à quoi? Ça fonctionne comment? Alors ça, donc voilà, on met le MP3 en fonction en fait avec le programme. Donc il y a du zouk, il y a tout ce qu'on veut dedans. Il y a quelques programmes de musique assez latine, par exemple pour faire après le repas quand on faut aller travailler alors qu'on vient de manger, c'est un peu lourd. Donc là, on va faire une turbo sieste et là vraiment ça va redynamiser. Ça va relancer l'énergie. Par contre, si il y a des programmes pour le soir, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, où là, on va faire s'endormir. Et souvent, on s'endort avec les lunettes sur les yeux. Et puis, ben, on se réveille dans la nuit. Tiens, on les pose à côté, puis on continue sa nuit et on dort bien. D'accord. Donc, le casque, c'est pour écouter les musiques qui sont branchées dessus. Voilà. Et comment ça fonctionne, du coup? Et il y a des lumières qui vont clignoter en fonction des programmes, en fait. Ah ouais, je vois. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, ça clignote, effectivement. Voilà. D'accord. Donc le mieux, c'est de le tester pour pouvoir vraiment voir. Je vais le tester, vous en faites pas. Il n'y a pas de problème. Je vais le tester, je vous dirai tout de suite si ce que c'était, si je me suis endormie tout de suite. En plus, moi, j'ai énormément de mal à m'endormir. Donc, je suis toujours en train de courir à droite à gauche. Je suis trop stressée. Donc, je vais tester ça. Si ça m'endort, je vous dirai, franchement, c'est génial. Et ça aussi, on peut l'essayer à l'atelier. À la Boutique Nature Nurse. D'accord, ok, c'est super sympa. Et sinon, s'il n'y a plus de place à la séance, est-ce que. Moi, j'habite au Lamentin, donc j'en fais aussi à domicile. Donc, je peux aussi en faire chez moi.
D'accord. Alors. Daria et Camille aussi font ce déplace. Alors, allez-y, comment on peut vous contacter pour les 3 minutes qui restent? Dites-nous, enfin 2 minutes, on va garder une minute pour la fin de l'émission. Allez, comment on peut vous contacter et quelles sont les dates à retenir? Donc, alors, mon numéro de téléphone, donc 06 90 21 52 50. D'accord, très bien. Voilà. Numéro de téléphone également, mais sachant que vous pouvez contacter directement la boutique, donc 06 69 97 13 73. D'accord, voilà. Très bien. Et donc, vous pouvez me joindre téléphone portable 06 90 45 41 42. D'accord. Ou autrement, vous appelez à la boutique au 05 90 26 42 53 ou 06 90 94 14 86 pour le portable. Donc, pour les ateliers, super. Les inscriptions. Pour les ateliers, les inscriptions. Voilà. Alors, c'est quand les dates des ateliers, Alors, on a un atelier le 11 mars, donc mercredi. Après-midi, oui, à partir de 14h, mm-hmm. avec Daria. Donc, c'est snacking végétal. Mm-hmm. D'ailleurs, Daria fait très bien les salades avec... végétal. Avec des mauvaises voilà. herbes. Herbes, aiguilles, etc. On a un atelier le 14 mars avec de 10h30 Brigitte. À 13h30. Tout à fait. Et alors, c'est sur inscription pour l'atelier. Sur inscription, oui. Oui, parce que sinon, j'imagine ça peut arriver que vous soyez débordé et que vous ayez voilà. pas tout faire. Donc, les places sont limitées, donc appelez pour pouvoir réserver. Vous pouvez appeler maintenant, on pourra vous répondre si vous êtes intéressé. Et Camille, ben, c'est sur rendez-vous, vous appelez, je vois avec elle directement quand elle peut vous recevoir. Pour des séances de Alors, massage. C'est quoi l'atelier bricolage, plan de jardin, j'ai compris, mais autonomie des étratés solaires portables, c'est quoi? Alors, donc en fait, c'est une démarche qui vise à récupérer un petit peu d'autonomie. Donc, on est sur des ateliers qui vont vers le low-tech, donc sans électricité par exemple, comme le déshydrateur solaire. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de soleil, donc on fait en atelier un caisson qui permet d'utiliser la lumière du soleil et la chaleur pour déshydrater des plantes notamment. Alors attendez, donc à l'atelier, oui. on apprend à faire son propre déshydrateur pour les fruits et légumes. Vous savez comment c'est ça coûte ça, le four déshydratant? Ça coûte une fortune. Tout à fait. Après, ça c'est du low tech. Donc si vous arrivez à faire on ça... On revient sur des choses qui sont moins précises et que... Mais qui sont naturelles. Mais qui sont naturelles. On peut faire ça son fonctionne. Thé, on peut faire son thé quoi, avec ça au final. C'est ça. Et est-ce qu'on peut, parce que c'est très long pour déshydrater des fruits et des légumes, est-ce oui. qu'on peut déshydrater par exemple des pêches comme avec un four déshydratant? Alors ça ne va pas être exactement pareil, mais on arrive à peu près au même résultat. Il faut juste couper en plus petit en par plus exemple. Petit, ouais. Ah non, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et ça, c'est l'atelier du 14 mars. Non, ça, c'est le 28 mars, c'est mars, ça oui, 28 c'est mars. 28 mars. Bon, vous allez nous laisser la liste. On va marquer tout ça sur les réseaux sociaux et on vous fera, on vous transmettra les informations au fur et à mesure. Et on vous fait aussi passer une information de Madame Cancel. Bien sûr, vous savez que c'est la semaine de la femme. Donc, la journée de la femme arrive bientôt le 8 mars et il va y avoir une représentation. Donc, le 5 ou le 7, on va vous mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Hashtag entreprendre, parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. On vous mettra le flyer directement de l'événement et on vous communique juste le fait qu'il y a Gertie Archimède. Vous savez qu'il y a un spectacle d'elle en ce moment, donc il y aura une représentation pour fêter exactement. J'adore, tout à l'heure je disais sans l'équipe on n'est rien, et ben voilà, l'équipe avait déjà prévu. Donc c'est le mardi 18 février 2020 à 20h au Cinéthéâtre du Lamantin. Merci Canal 10, équipe régie du tonnerre, parce que moi j'avais pas du tout cette affiche là, j'étais en train d'essayer de me souvenir de la date et tout. Donc merci beaucoup. Donc c'est Madame Eliane Armel Cancel que vous connaissez très bien, hein. Et vous savez, Gertie Archimède, à quel point elle est importante pour la Guadeloupe. Il faut pas oublier que c'est elle qui a fait un gros travail pour que les femmes guadeloupéennes puissent voter aussi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Merci. Bon, ben, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous tous. Au revoir.